Top 5. Stadium Event, estimé entre 2 433 € et 38 661 € Stadium Event est un des premiers jeux impliquant physiquement le joueur, car il disposait d'un tapis en plastique souple sur lequel le joueur devait courir et sauter. Nintendo acheta les droits du jeu un an à peine après sa sortie et en proposa une nouvelle version intitulée World Class Track Meet. Pour éviter toute confusion, tous les exemplaires de World Stadium furent retirés des magasins et détruits, même si 200 exemplaires du jeu avaient déjà été vendus. La rumeur court que 20 exemplaires existeraient encore. Au moins une copie sous son emballage d'origine a été retrouvée et vendue aux enchères pour la somme impressionnante de 38 661 €. Top 4. Air Red, estimé entre 12 974 € et 30 950 €. Air Red fut le premier et seul jeu créé par Menavision, et le design de la cartouche est très différent de tout ce qui faisait alors pour l'Atari 2600. Son look bleu et sa poignée en forme de T en font un cas à part. Le jeu est en lui-même assez simple. Protégez la ville d'une attaque aérienne à bord de votre vaisseau spatial. On estime que seuls 12 exemplaires officiels du jeu furent produits, dont 2 qui furent vendus récemment aux enchères pour 13 901 € et 32 435 €, d'où l'estimation très large. Top 3. Tetris, Sega Genesis, Mega Drive, estimé entre 2 800 € et 14 970 €. Tetris est un jeu très simple. Vous allez donc vous demander pourquoi il figure dans notre liste des 10 jeux les plus rares et les plus chers. Eh bien, pour des raisons juridiques. Comme Nintendo possédait les droits exclusifs de Tetris, le jeu n'est jamais sorti sur la Sega Genesis. Il y eut cependant 10 exemplaires produits ainsi qu'une copie sans licence signée par le créateur de Tetris, Alexei Pajitnov. Cet exemplaire a fait la une des journaux lorsqu'il a été mis en vente pour la somme énorme d'$1 million. Top 2. Birthday Mania, estimé entre 13 901 € et 32 435 € au cours du développement rapide du monde des jeux vidéo dans les années 80, Birthday Mania était un jeu créé pour l'Atari 2600 dans le but d'être le cadeau d'anniversaire parfait. Pour offrir ce jeu en cadeau, il vous fallait cependant le commander à l'avance. Chaque jeu était ensuite livré avec une page titre personnalisée et un espace pour écrire le nom de la fille ou du garçon pour son anniversaire. Le jeu permettait de faire exploser des bougies et des ballons gonflables. Malheureusement pour Personal Games, la société qui distribuait Birthday Mania, le concept n'a pas connu le succès de compté. Du coup, très peu d'exemplaires ont été commercialisés. Il n'existerait aujourd'hui plus que 2 copies de Birthday Mania et, l'une d'entre elles serait entre les mains d'un célèbre collectionneur de jeux Atari, Jerry Greiner. Top 1. Gamma Attack, estimé entre 18 534 € et 46 337 € sans surprise, le jeu le plus cher et le plus rare jamais sorti et encore en existence est, une fois de plus, pour l'Atari 2600. Programmé par Robert L. Skun Jr., et sorti chez Gamation, seules quelques cartouches de Gamma Attack ont été commercialisées. Vous vous demandez la raison de sa valeur? Tout simplement parce qu'il n'existe aujourd'hui plus qu'un seul exemplaire de Gamma Attack. En fait, ce jeu appartenait à un collectionneur du nom d'Anthony Denardo, qui l'a vendu aux enchères en 2008, pour la somme de 46 337 €. Si vous vous posiez la question de savoir quel était le prix de la rareté, maintenant, vous le savez.